costume. Bonjour à tous, j'ai remis mon costume d'obélisque bleu. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, il y aura un autre costume. Il y aura un autre costume. Je vous prévois des petites dingueries. Est-ce que je suis capable de trouver... Est-ce que je suis capable de trouver une petite musique là-dessus qui fasse un peu le thème de l'Égypte, parce que ça va être le thème d'aujourd'hui. Égypte. Est-ce que ça fait Égypte, ça? Ça fait Égypte, ça, ou pas? Vous entendez pas beaucoup, je crois. Oh la tête! Oh la tête! Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien! Merci à Seven Sense pour le Prime. Merci et hello à toi! Le mec, il vient dans le chat pour la première fois et avant de parler, il s'abonne. Ça c'est du vrai de vrai. Ça, c'est du vrai de vrai. Comment ça va le chat? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. Petite disclaimer. Petit disclaimer, le chat. Des dingueries arrivent. Attention, je le répète, des dingueries arrivent. Et je ne parle pas de GTA 6, qui va être annoncé cette semaine ou très bientôt, qui est en tendance sur Twitter. Je vous donne l'info. Je parle d'autre chose. Je parle de choses provenant de la Hyper Zulu Production. Très bientôt, le chat. En fait, très bientôt, j'en sais rien, mais ça va arriver. Je parle de choses qui, en vrai, vous affecteront pas tant que ça. Mais c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. On est sur ce genre de bail. Non mais, QC, arrête, il tease. Comment ça va? Remaster du projet secret. Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien le chat. Et je dois être honnête avec vous. J'y ai pensé. Avec la musique là, ça fait juste trop bien. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié une banane, mais c'est pas grave. J'y ai pensé, vous savez. Mais ça n'arrivera jamais. Je vois même, pour être parfaitement honnête avec vous, j'y ai pensé cette semaine. Parce que j'ai vu que le nouveau casque Meta Quest 3 implémentait de la réalité mixte. Et je m'étais dit, waouh, j'ai des envies là. D'un coup, j'ai envie de développer, j'ai envie de faire des trucs. Alors que j'ai à moitié faire, mais... Mais non, je me suis dit, non, je ne peux pas, je ne peux plus. Ce n'est plus de mon ressort. Donc je ne ferai pas. Mais d'autres choses arrivent. D'autres choses arrivent. Les cartes Master Duel arriveront en même temps que les cartes TCG. De quoi? Non. Non. Non, moi, je vous parle de trucs qui me concernent, moi. Je parle pas de trucs qui concernent Konami. Non, mais vous quand je dis que des dingueries arrivent, vous attendez pas au fameux projet secret, machin et tout. Mais on parle de trucs un peu game changer. On parle de... Ah, vous verrez. Vous verrez. Tu vas être papa. Ah non, pas encore. Oh non. Oh non. Non, il y en a marre, là. Là, les couches, les biberons, il y en a marre, d'accord? Il y en a suffisamment. C'est marrant, car je connais pas Super Yugi. Je pige que dalle à ce que vous racontez. Ah ouais? Bah, qu'est-ce que tu viens faire ici, alors? Tu vas faire une vidéo sur DMVR. Non, j'en ai déjà fait Master Boom, en plus. Tu vas être maman. Yes, bien vu. Non, il y a des petits trucs qui arrivent, mais je peux pas trop vous en parler. Pas encore maintenant. Oh, mais ces musiques Égypte, elles sont incroyables. Vous les entendez bien ou pas? Je suis possédé!
Je vais devenir le plus grand duelliste de tous les temps. Craignez-moi comme vous craignez le soleil. J'ai besoin de créer des decks. Cette musique! Ce sera dans quelques instants. Ce sera dans quelques instants, le chat. Consommons pas toute notre énergie maintenant. Mais aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui va naître un nouveau deck qui va être créé par mes mains, qui va révolutionner la métagame de Yu-Gi-Oh! Et impressionner ainsi que d'écraser mes adversaires dans le creux de ma main. Je suis Zul, Obélisque bleu, et je vais créer le deck ultime. Merci Balek mec 92, ainsi qu'Ulysse XR pour vos primes. Vous pouvez aussi vous donner un prime si jamais vous en avez un de côté. Ça permet de soutenir la Hyper Zulu production. Aujourd'hui, je vais créer un deck incroyable. Je suis en train de lancer le jeu. Peut-être que cette caméra va bugger. Peut-être. Vive les sliffers rouges. Ah, apparemment, ça aime pas ma... Ah, ça aime pas ma veste de obélisque bleu. Le type arrive à s'enjailler tout seul. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il va sortir le costume de Pharaon. Bientôt, bientôt. Bientôt. Mes amis, hier, nous étions le mardi 7 novembre. Et afin de réaliser le duel de l'académie, nous avons testé ce deck. Rappelez-vous, nous avons écrasé en une seule game un deck Matmec. On lui a fait regretter d'être venu au monde. Il a péri dans le creux de ma main. Et aujourd'hui, je vais relever le défi de créer un deck trappe monstre, c'est-à-dire les pièges qui se transforment même en monstres. Et pour ça... Et pour ça, j'ai décidé... Oh là là, j'ai des idées plein la tête. J'ai des idées plein la tête, mais il va falloir les ordonner. Il va falloir être précis. Il va falloir être bon. Mais ça, je n'en doute pas. Merci Jade pour ton quatrième mois. Très honnêtement, les cartes pièges monstres s'orientent autour des pièges continus, donc qui se transforment en monstres, et autour de cette carte, la statue de motif d'angoisse, qui a la particularité de s'invoquer spécialement comme étant un monstre à effet. Et à chaque fois, si une carte est invoquée spécialement dans une zone, depuis une zone magie piège, dans une zone monstre, tant que cette carte est un monstre, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la détruire. Ça, c'est la carte qui va articuler tout notre deck. C'est la carte clé, la carte maîtresse. Donc vous avez compris, quand elle est invoquée en monstre, donc quand on l'active, elle s'invoque en monstre, et dès qu'une carte de la zone magie ou piège s'invoque comme étant un monstre, on peut détruire un sur le terrain. Ce n'est pas qu'une fois par tour. Donc ça, c'est la carte clé.
la pierre angulaire de notre deck. Et partant de ce principe, on peut bénéficier de tous l'éventail de tous l'éventail de pièges monstres qui existent. Mais partant de là, il y a juste trois possibilités. Comment tu vas faire pour la tuto alors ? Ah, c'est une bonne question. Partant de là, il y a trois possibilités. Et peut-être qu'on va mixer les trois, et c'est bien le problème. Soit... Ah non, c'est les surnalish. Soit on joue bien sûr les cartes Edlish, qui sont les cartes les plus récentes, les cartes pièges les plus récentes, qui se transforment elles-mêmes en monstres et qui vont pouvoir nous donner un petit peu de survivabilité en plus de jouer un des monstres les plus classes de l'histoire du duel de monstres. Merci Kazu pour le Prime. Merci à toi copain. Donc, soit on joue... Attendez, je vais juste faire ça, annuler les changements. Donc soit on joue donc Edlish, donc avec des cartes comme ça. Soit on joue Uria, parce que Uria, je le rappelle, ni invocable normalement, ni invocable spécialement, uniquement invocable spécialement en envoyant les trois cartes pièges face recto que vous contrôlez au cimetière, cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque piège continu dans votre cimetière. Et une fois par tour, vous pouvez cibler une magie ou piège contrôlée par votre adversaire et détruisez la cible. Aucun joueur ne peut activer de carte magie piège en réponse à l'activation de votre effet. Donc, soit on peut jouer un archétype, enfin des cartes de l'archétype Uria, qui sont quand même plutôt intéressantes. Mais on sera plus dans le deck piège pur, avec des cartes comme Paradis Perdu qui nous permet de piocher deux, des cartes comme Ouverture des Portes des Esprits qui permet de récupérer des magies continues et d'avoir d'autres effets, Hyper Embrasement qui permet d'invoquer spécialement Uria que je contrôle en utilisant des pièges face verso plutôt que uniquement des pièges face recto. Et une fois par combat, lorsqu'une attaque est déclarée impliquant Uria, je peux envoyer une piège depuis ma main ou deck au cimetière et le reste de ce tour, son attaque devient le nombre de pièges face recto sur le terrain et dans le cimetière fois 1000. Donc plus uniquement les pièges continus, ce qui peut être intéressant. Et une fois par tour, je peux défausser une carte et ajouter à ma main ou invoquer spécialement un Uria. Donc, Hyper Embrasement, ça peut être une idée. Et la dernière idée, c'est utiliser les cardans avec mais je vais pas le trouver. Comment il s'appelle ? Avènement. Je vais pas le trouver. Pourquoi je le trouve pas ? Parce que je l'écris pas bien ? Ah, avènement, ok. Non, même pas. Je vais baisser un peu la musique. Qu'on s'enjaille, mais... Pourquoi je peux pas régler la musique, là ? Ok. Pourquoi je le trouve pas ? Cette carte a disparu. T'as un filtre, t'as que les cartes que tu possèdes. Ah ! Bah non. Ah, hors d'obtention. Ok. Elle a disparu. Clique à droite
à droite du texte. Yes! Merci à vous, vous êtes double super. Ou alors, avec avènement pharaonique. Qu'est-ce qu'elle est belle! Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte! Je suis obligé de créer un deck autour de ça. Gagne 300 d'attaque pour chaque piège continu sur le terrain et dans les cimetières. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de avènement pharaonique qu'une fois par tour. Vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez sacrifier un monstre elfe, démon ou reptile et ajouter une piège continue depuis votre deck à votre main et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre le reste de ce tour. Je trouve ça assez stylé quand même. Je trouve ça assez stylé. À votre avis, on fait quoi? Est-ce qu'on fait un deck piège continu Uria, Edlish ou pharaonique? Après 124 messages, on a réussi. Ah ouais, d'accord, excusez-moi. Alors, à savoir, je ne sais pas ce qui va être meilleur ou pas. Les trois sont intéressants. J'aimerais bien faire un gigatacos 60 cartes avec les trois, mais je pense pas que ça fonctionnera. Égypte égale pharaon. On n'est pas obligé de faire un truc pharaon. Un pharaon plus... pharaonique plus Uria. En fait, je suis vraiment partagé. Je suis vraiment beaucoup, beaucoup partagé. Parce que je trouve pharaonique 1, magnifique. 2, très peu joué. Et 3... Ça a le mérite d'exister. Mais c'est pas si fort. C'est vraiment pas si fort. Ça reste un monstre qui a 2000, qui a gagné 300 machin, et il a pas d'effet particulier. C'est-à-dire que t'invoques beaucoup plus facilement un Edlish qui a beaucoup plus de patates, qui en plus, une fois qu'il est dans le cimetière, il peut revenir. C'est lourd. Faire un deck avènement pharaonique, c'est lourd, c'est un vrai défi. Uria, c'est sympa, mais je pense que si je veux vraiment faire un deck piège continu, en fait, c'est ce qui aura le plus de patates. Parce que tu peux faire un deck où tu joues un Uria à 10 000 de patates et tu sauces tes adversaires comme si tu mangeais un œuf à la coque. Par contre, soit ça va beaucoup ressembler à un deck Uria, donc avec les petits démons, machin et tout, et beaucoup moins à un deck piège. Soit ça risque d'être instable. Mais on peut, pourquoi pas, Iref. Deck Edlish me paraît être le plus fort, mais un peu plus conventionnel. Ça va être un peu plus conventionnel. Moi, j'ai envie d'essayer les trois. Peut-être pas dans le même deck, mais j'ai envie d'essayer les trois idées. On l'a déjà vu, le Uria. Vous l'avez déjà vu? J'ai déjà fait un deck Uria? Je pense pas. Un kebab, mais raisonnable. Bon. Ce que je vous propose. Je vous mets quelques petits duels. Et je propose un changement d'ambiance. Je reviens, mes amis. Je vous laisse avec ces matchs de génie. Oh! Oh, ces matchs sont déjà cultes! À tout de suite!
merci, merci. Merci pour cette entrée. Il est l'heure de me recoiffer un peu. Je me présente. Je suis Zoul, le magnifique. très humble, hein, comme petit surnom. On reste dans la modestie, bien sûr. On reste dans la modestie. Et il est l'heure de créer le deck ultime. Le pharaon Zoul a tout ma tech. Derrière, son fils va arriver déguisé aussi. Tout va bien. Bon. On finit ce match. Vous notez combien sur 10 pour la présentation? Elle est où la reine d'Égypte? À tout ma deck. Ah, j'avoue. Merci, merci. On lésine pas sur les moyens, hein, dans la Zoul production. On lésine pas, vous avez vu, c'est Hollywood. Est-ce que je peux mettre le casque? Je suis un pharaon connecté, moi. Je suis un pharaon connecté. Je vais réduire la taille de ma canne. Hop là, super. Ok, c'est trop fort la musique, on est d'accord. On est d'accord. Ok. Bon, on s'en fiche en fait de voir ces petits matchs. En large Yurkan. Ok. Ok, créons ce deck. Zoul, le chef des protecteurs du tombeau. Bon! Bon, bon, bon. Faisons un premier essai avec l'archétype pharaon. Alors, je me suis un peu renseigné. J'ai un peu regardé ce qu'on pouvait faire avec ça. Et en vrai, il y a des trucs bien gauleries, mais qui sont limitants. Vas-y, ma canne, elle me saoule, là. Hop là. Il y a des trucs qui sont bien gauleries, mais un peu limitants. C'est-à-dire... Bon, déjà, on va enlever les bêtises qu'on a faites hier, donc c'est-à-dire ça. On va enlever... Elle casse la tête, la musique, non? Ou elle est bien? J'arrive pas à choisir. Avec le petit bignou, là. Ni 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 ni. T'as pas assez de médailles UR, là. Ouais, c'est vrai. Elle casse la tête un peu. Alors, on va enlever ça. On va enlever ça. On va enlever... On va rajouter ça, parce que ça, c'est trop fort. Ça, c'est une des cartes clés. Apophis, le dieu des marées. C'est une nouvelle carte. Cette carte est toujours traitée comme une piège. Donc, on peut l'invoquer comme un monstre 2000-2000. Et vous pouvez annuler un nombre d'effets de cartes face recto que contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de pièges continus que vous contrôlez. En vrai, c'est 50-50 la musique dans le chat. C'est vrai. J'aime pas la musique. Merde. Bon, je remets la musique Master Duel et je mettrai la musique quand on fera le duel. Ça vous va? Attends, je peux pas changer la musique d'ici, là? Oh, le coach. Après, c'est peut-être juste celle-là qui casse la tête. Si je fais ça. C'est la même. Ok. Donc ça, c'est hyper fort. Ça, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle s'invoque comme un monstre de niveau 4 lumière 1008-1008. Une fois par tour, lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, tant que cette carte est dans votre zone monstre, vous pouvez envoyer au cimetière un piège continu dans votre zone monstre qui a été invoqué spécialement depuis la zone magie ou piège, et annuler l'invocation, et si vous faites, détruisez ces monstres. Lorsque cette carte est dans votre zone monstre et détruite au combat, vous pouvez détruire le monstre qui a détruit cette carte.
Donc ça, c'est pas mal aussi. Merci Blazor pour le sub. Le sub gif, merci beaucoup. Alors... hier, j'avais mis vraiment des trucs random dans l'extra. Et en fait, j'avais pas réalisé un truc. J'avais pas réalisé un truc, c'est que j'ai énormément de monstres niveau 4. Donc faire des liens, c'est bien. Mais faire des X6-4, c'est mieux. Je vois triple où il y a 28 cartes pièges. Ah bah, c'est le but du deck. Donc, quelles sont les X6-4 qui sont intéressantes? Quelles sont les X6-4 intéressantes? Si je loupe des trucs, n'hésitez pas à crier. Mais normalement, les X6-4, je les connais. Parce que c'était pas mal joué dans Harpy. Vagouska, bien sûr. Cowboy, bah non, on n'est pas en BO3 avec un time. Ça. Ça. Évidemment, le Redoueur. Le Redoueur, j'hésite à en décraft 1. Ouais, ça on prend. Deux monstres de type bête télé, donc ça marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ça c'est pas mal, Castel. Bon après je pense que j'en ai suffisamment. Zeus, oh oui, bien vu. Voleur du temps, t'en mets plusieurs. Il y a un effet de bounce avec des cartes pièges joules. Ouais, j'avoue que Redoueur, c'est vraiment pas mal pour nous. Alors, on va mettre Zeus. On va mettre celui qui sauverlait au-dessus, là. Celui-là. J'ai un bug d'image. Les cartes du deck de Zul sont violettes. ensuite. Ça, on va mettre, c'est bien. Cardan clairvoyant. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez poser une pièce continue depuis votre main ou cimetière. Putain, hier, je pensais que c'était depuis le deck. Mais non, c'est depuis main ou cimetière. Il peut être activé ce tour. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf, mais il faut le piocher en cours de combat, quoi. Il n'y a pas une carte qui protège les pièges continus. Si, c'est Mur de Fer. On peut la tester en x1. Ah non, c'est pas ça. Je confonds. C'est Tradition. Tradition impériale. Les pièges continus face recto ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par effet de carte. J'avoue que je suis moyen chaud par ça. Je trouve que c'est assez lent, c'est attentiste. Je sais pas si je vais finir par la mettre. Donc, maintenant, vu que j'ai autant de cartes, est-ce que ça m'intéresse de jouer des pots d'extra? L'arrêt des abysses, qui est un monstre trap indestructible au combat si tu veux améliorer grandement la line-up. Je peux la mettre x1. Elle est niveau 5 lumière. Elle est niveau 5 lumière. A votre avis, est-ce que je dois garder des pots? La slim, je sais pas si je kiffe de ouf. T'as 0 draw power. Alors ça draw. Mais ça draw en going second. Au deuxième tour, quoi. Mais ça peut permettre de donner du rythme à notre deck. Infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre qu'il détruit. Qu'il a détruit. Ah, qui a détruit cette carte. Ça, c'est niveau 4 ténèbres.
Toi, il n'y avait pas un truc qui était niveau 6 ? Niveau 6, terre ! Ah merde ! Parce que 4, lumière et 6, ténèbres, ça aurait pu faire ange du chaos. Peau 10 fois meilleure que Tadro. La magie rare, là. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Quelqu'un sait m'expliquer la win condition ? La win condition, c'est de contrôler grâce à l'effet de cette carte qui permet de cibler une carte sur le terrain et de la détruire quand j'ai un de mes pièges qui s'invoque comme un monstre. Sauf que j'ai que ça. Et en fait, mes pièges qui s'invoquent comme des monstres ont des effets. Ouais, ça c'est nul. Attends, elle se remet pas en... Durant la end phase de votre adversaire, posez cette carte. Ouais, je vais la mettre x1 pour la test, mais... Parce que, il y a un truc qui est incroyable avec Avènement Pharaonique, c'est ça. C'est raisonnement. Votre adversaire déclare un niveau de 1 à 12. Dévoilez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à dévoiler un monstre qui est invocable ou posable normalement. Puis, si le monstre est du même niveau que celui déclaré par votre adversaire, envoyez toutes les cartes dévoilées au cimetière. Sinon, invoquez spécialement le monstre dévoilé. Donc ça veut dire que je vais regarder toutes les cartes au-dessus de mon deck, et dès que j'ai un monstre, donc soit... Ah ouais, mais il y a maxé... Ah. Le problème, c'est qu'il y a maxé. Parce que si tu fais ça... C'est-à-dire que... Genre, si t'as qu'un seul avènement pharaonique, c'est-à-dire que t'envoies énormément de cartes et que t'invoques avènement pharaonique comme ça. Le problème, c'est que avènement pharaonique, il meurt sur n'importe quoi. Mais t'as envoyé la moitié de ton deck au cimetière. C'est là où je me dis un petit Edlich quand même. C'est là où je me dis un petit Edlich, c'est cool quoi. Dans quel monde ? Dans quel monde c'est intéressant de faire ça ? Dans quel monde c'est intéressant de faire ça ? Après, je pense qu'il faut au moins mettre deux Edlich. Witch Raid. Ah, c'est elle que je cherchais ! C'est elle que je cherchais. Vous pouvez invoquer par sacrifice. Face recto. Vous pouvez... Ah, pour invoquer par sacrifice face recto cette carte, vous pouvez sacrifier en plusieurs pièges que vous contrôlez. Ainsi que des monstres. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez détruire toutes les magies ou pièges contrôlés par votre adversaire. Ah... Je me rappelle que je jouais Witch Raid quand je jouais une autre version de ce deck. Moi, je pense que j'enlève ça. J'enlève ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un plumeau à 2700. Ouais, mais quand tu joues raisonnement, t'as pas envie d'avoir trop de monstres, quoi. Franchement, j'hésite même à enlever Maxé, quoi. Après, Uria, je vais être obligé de l'enlever. Ouais, Witch Raid avec raisonnement, c'est relou. Ce que je peux pas... Parce qu'une fois que j'envoie Uria au sim... Ok, spécialement Uria, en utilisant procédure, vous pouvez aussi utiliser des pièges phase verso. Lorsqu'une attaque est déclarée impliquant Uria, machin, vous pouvez envoyer une piège depuis votre main ou deck au cimetière le reste de ce tour. L'attaque à défense de Uria devient le nombre de pièges face recto sur le terrain et dans les cimetières. Ça peut être beaucoup, ça. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte.
et ajouter à votre main ou invoquer spécialement depuis votre cimetière. Je pense que ce sera pas assez consistant. Tu feras un deck Uria après. En vrai, on peut faire ça. On peut se dire on fera un deck Uria après pour tester. Moi, je pense que on va déjà essayer avec ces deux engines et voir un peu ce que ça donne. J'hésite à laisser la Slim. Après, la Slim et Edlich me donnent accès à des X6 Randis, mais... Il faut rester concentré avant que ça parte en kebab piège. Bah là, on est pas mal quand même, hein. Edlich améliore un peu notre going second, qui est catastrophique. Non, vire la Slim. Tu fais ça, toi, hein? On peut tester comme ça. Hein. Par contre, mon pot d'extra avec les... Je suis hésitant quand même. Tu mets pas le héros vision du coup? Non, vu que j'ai raisonnement. Y a pas des pièges continus qui ont un effet dans le cimetière? Une fois durant votre tour, si vous contrôlez un monstre de niveau 10, vous pouvez ajouter une piège continue depuis votre cimetière à la main. Ah, y a un truc à faire avec Uria quand même. Pléiades, si tu jouais de Lich. Ouais. Alors. Mais Marella, elle est pas si intéressante que ça. Je sais pas pourquoi tu la spam. J'ai pas Pléiades ? Ah si, il est là. Ils sont quoi? Ils sont lumière. Putain, j'ai pas de... De monstre ténèbres, c'est chiant. Ah si, niveau 4 ténèbres. Et le niveau 6, il était terre. Ah ouais, non. Pour utiliser la ligne de ce texte, il faut... Non, je crois pas. Non. Pour utiliser le dernier effet où il y a marqué 3, c'est les monstres envoyés au cimetière de votre adversaire sont bannis à la place. Et par contre, une fois durant votre tour, si vous contrôlez un monstre de niveau 10, vous pouvez ajouter une piège continue depuis votre cimetière à la main. Le problème, c'est que c'est super lent, quoi. Il est level combien, le lion sur Nalish? Le lion? Ah, attends ça. Et il est niveau 8. Ah, j'avais jamais joué. Vous pouvez bannir cette carte. Ok. C'est super lent, mais tu comptais OTK avec un deck full trap? Non. Non, mais... Je pense que la technique avec Uria, elle est très très lente et elle contrôle pas, c'est ça le problème. Là, on peut contrôler un peu, quoi. Alors, elfe, lumière, terre. Alors, il me faut... Du coup...
la charmeuse lumière. La charmeuse terre. Et la charmeuse ténèbres. Avec une licorne. Avec une licorne, on est bien. J'ai une carte en trop. Je vais enlever un Pléiades. Ou alors j'enlève ça. Et je mets deux Bagouska. Ça me paraît bien. Regarde Imdouk, c'est sympa. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vous pouvez invoquer normalement un monstre Kalis. En fait, c'est juste l'effet de gérer un monstre adverse, mais je pense que no need. Avec raisonnement, je suis à deux doigts d'enlever Cancrela Max. Hein. Parce que je pense qu'on va pas mulligan assez. Mais bon, maxé, c'est trop fort, quoi. Maxé, c'est juste trop fort. J'ai envie d'enlever un pot de sorcellerie. Quoique. Vas-y, testons comme ça. Alors, UR. Ok. Pot d'extra à enlever surtout. Non, parce que je pense pas. Non, c'est bien. Le BLS dans l'extra tous les jours. Ah, je peux pas tout mettre, les gars. J'ai eu un paquet gratuit. Oh, le troll. Bon, c'est une achetée, une gratuite, quoi. Bon, c'est déjà ça. Putain, ça me fait chier d'en crafter deux, mais bon. Si je veux vraiment jouer le deck à fond, il m'en faut deux. Hein. Bah, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est 30 UR les plus mal dépensés de toute ma vie, mais je le fais pour vous. Allez, testons. Est-ce qu'on va réussir à sentir l'Égypte en nous ? Ah mais attendez, il faut que j'avance dans mes trucs Master Duel, moi. Invoquer un monstre par sacrifice. Wow. Allez, je suis où ? Le pharaon pharaonique. Pas too much. C'est pas le bon deck que j'ai pris. Coupé ! J'ai pas pris le bon deck. Coupé ! Oh, super ! Fenrir pour invoque sacrifice. Putain, en plus... En plus, on est going second. Après, la main, elle est ok. Ça, il faut que je l'invoque en dernier de la chaîne. Sacré deck build. Ah bah là. Et là, Jinzo. Mais non.
C'est quoi ton objet du millénium? C'est le serpent du millénium, gros. Est-ce que tu connais le... Non, c'est pas le serpent, c'est le cobra du millénium, gros. Oh, par contre, faut jouer plus vite, je t'en prie, gros. Je vais me désaltérer. De cet angle, on sait pas d'où sort le serpent. C'est dégueulasse. C'est archi dégueulasse. Tu perds 35% de tes duels au type. Je pense que cette stat est exagérée, mais... Mais qu'elle est pas loin de la vérité quand même. Tout le monde sur serpent en live, ça tourne mal. Oh, on se fait chier les gars, non? Peut-être faire une micro-sieste, moi. Sommeil polyphasique. Putain, en plus, c'est pas le bon deck que j'ai! Le deck fonctionne. Bah, on l'a pas testé encore. Et ça, c'est l'ancienne version. Puis en plus, on a vraiment un going first bien hard. Je t'en prie, joue, mon ami. Je t'en prie, joue, mon ami. Joue! Ah, bah il joue. Wow! L'œil de Timé, on est dans le dessin animé là. Ah! C'est Yugi le pharaon qui m'affronte! Alors que le seul pharaon dans cette pièce, c'est moi! Zul! Le serpent maléfique! Je rallonge ma canne du destin. Pour ne faire qu'une bouchée de toi. Ya! Je rappelle, j'ai 30 ans, les amis. C'est dur. La canne du millénium, c'est ça. Il a de la chance que je joue pas la dernière version de mon deck incroyable. Tu veux pas laisser parler les cartes? Mais je peux pas jouer, frère! Je peux pas jouer! J'aimerais bien! J'aimerais bien, mon ami! Coucou! C'est le deck de Marek de Wish. Oh non! Alors qu'une super poly, il n'y a plus de deck là. Regarde, moi j'ai pas mis 5 ans à jouer. Regarde, hop. Hop. C'est quoi ça? Si une carte face recto sur le terrain. Oh, c'est trop bien. Hop. 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 Fin de tour. Voilà. Voilà, il faut pas besoin d'une demi-heure.
pas besoin d'une demi-heure. Plumeau de Damar Piménon. Ça, ça banne un truc face recto. J'ai que des trucs face verso. Ah non ! Oh non, si... Oh non ! Ok, j'avoue que j'ai le seum un peu. J'avoue, j'ai le seum. Parce que si je bannais ça, j'avais juste gagné. J'avais juste fait... Oh non ! Mais il a trop de chat. J'avais juste à bannir ça, j'avais gagné. Je possède le seum. Je possède le seum. C'est un monstre que je détruis ? Cibler une carte. Ah bah non, c'est bon. Oh non, c'est bon. Vas-y, vas-y. Vous allez voir la démonstration de Zinzin. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Le seul monde où je me fais gérer, c'est s'il invoque Sp Dark Magicien et qu'il cible ça en blind. Sinon, je suis bien. Sa fusion protège pas les MP. Non, c'est pas celle-là. En vrai. Merci, iFanatics. En vrai, il y a quand même un monde. Il y a quand même un monde où je fais... Ça. Ça. Pas de chaîne. Chaîne 3. Ça. Que ça va activer l'effet de ma statue. J'ai un doute. J'ai un doute. Ah, ça marche pas. Ça marche pas ce que j'ai voulu faire. Ah si. Son effet marchera pas, donc je peux garder ça. Au secours, de quoi ? Ok. Pour l'instant, on est toujours très bien. C'est maintenant qu'il va invoquer le truc pour... Pour protéger ses MP. La piège, faut la péter. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah, à moins que mon interaction est trop longue. Il va quand même réussir à invoquer. Mais il aura pas le temps de faire fusion. Yes. C'est si simple. C'est juste si simple. Je suis seul, le pharaon. Voilà, personne peut me tester, même pas avec la meilleure version de mon deck, les gars. Y'a rien. Tac, 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 tac. Y'a rien là. Ce board cleaner. On a tout géré, un par un, minutieusement, minutieusement, méticuleusement. C'est plutôt ça que je voulais dire.
Alors. Ah, il arrive encore à jouer, hein. Il arrive encore à jouer. Façon, vas-y. Belle carte royale. Mec, je suis désolé, mon deck est trop fort. C'est un deck going first, en going second, je nettoie tout. Il va refaire une fusion. Alors, vas-y, battle. Ah ! Pourquoi j'ai pas pu activer mon... C'est durant la main phase ! Oh, j'ai le seum ! Ah, j'ai le seum ! Ça devait pas se passer comme ça, chat. Ah, j'ai le seum. J'ai le seum, j'ai le seum. N'est pas le seum. Bah si, un peu quand même. Ah non, mais deux fois la même carte. Bon, bah il est temps, hein. Il est temps pour moi d'invoquer mon boss ultime. La slime métallique. Enfin, le dieu égyptien slime, pardon. Ensuite, on va poser ça. On va poser ça. Mais pourquoi mon monstre s'est fait gérer par... Pourquoi il a réussi à gérer mon mob? C'est bizarre, non? En fait, tout repose sur une carte. Je me fais gérer ça, il n'y a plus de deck. Un peu ballsy de poser tes pièges. Exactement, t'as raison. Ouais. Avant la battle. Les pièges sont comptés comme des monstres ou des pièges? Ça dépend. Lui, il est compté comme un piège et un monstre à effet. Mais il y a des pièges qui sont comptés... non, peut-être comme les deux, en fait. T'as raison. T'as là, ça veut dire que j'ai 3 destructions. J'ai juste 3 destructions, les gars. À moins que ça, c'est qu'une fois par tour. Non, c'est pas qu'une fois par tour. C'est pas mal, ça, d'en garder un, quand même. Attaque de la magie noire et finito. Ah. C'est des PE, mais en mieux. Alors, vas-y. Invoque. Je me suis mis en on, hein. Je me suis mis en on. Hop là. Merci, mon ami. Pardon. Hop là. Comme ça, il n'y a pas le temps d'activer son effet trigger. Hop là. Allez, ça dégage, magicien sombre. Ça dégage, magicien sombre. Je connais pas la fusion métalphose, là. Bah alors ? On vient plus aux soirées ? Juste une impermanence, là, et il était tranquille, mais... Ce serait tellement bon d'avoir la cam en face de l'ennemi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh là 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 là, voilà ! Voilà, les amis ! C'est un drop de la canne, les amis ! Ah. Tu peux pas jouer un deck magicien sombre contre le maître des magiciens sombres ! J'ai plus joué âme des magiciens.
dans mes decks que tous les gens du chat réunis. C'est vrai qu'on est à 2 sur 2 avec ce deck. Hein. Et maintenant, j'ai peur d'inclure autre chose. Parce que, en fait, cette liste qu'on a fait hier, elle marche vraiment sur les pièges. Bon, il y avait des petites sucreries et machin qu'il fallait enlever, mais... Et en même temps, c'est un équilibre tellement fragile. C'est un équilibre tellement fragile parce que si j'ai la statue de motif, je suis très bien. Si je l'ai pas, je suis dans la sauce, quoi. C'est pour ça que je me dis un petit pot de prospect, peut-être. Attends, il y a que 5 monstres. Non. Mon nouveau deck, c'est celui-là. Il y a un peu plus de monstres. Je sens que ça va être moins bien. Je sens qu'on va être moins bien. Ah, bah on joue premier. Bon, on a Skill Drain. C'est pas inintéressant. Rentabilise tes crafts de l'avènement pharaonique. Ah bah, il va falloir. On n'est pas content de l'avoir en main. Nini ! Oh non, c'est du Dark Lord, les amis. C'est du Dark Lord. Non, c'est du Dark Lord. Après, je peux... Alors, attendez. Parce que elle dit jusqu'à la fin du prochain tour, les pièges face recto que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Les pièges face recto. Parce que certainement du Dark Lord, enfin du monde ténébreux, pardon. Est-ce que j'envoie ça ? Elle s'invoque pas du sim, c'est ça qui est trop chiant. Bon, on va garder ça pour l'instant. Enfin, le problème, c'est qu'il a que des effets dans sa main. Fait chier quoi. Première fois je tombe contre un monde ténébreux. Ouais, je suis quasiment sûr qu'il va pouvoir jouer sous Skill Drain. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre démon depuis votre cimetière défaussé. On y va. On y va, on va essayer de l'interrompre, mais j'y crois zéro. Hop là, elle negate des effets de carte face recto. Équivalent au nombre d'autres monstres piège continu que j'ai face recto sur le tas. Pas forcément monstre piège. Inférieur ou égal au nombre d'autres pièges continu. C'est quoi le but de ton deck? Oh! C'est pas bon ça. Le but de mon deck, c'est de jouer avec les cartes pièges continues.
et essayer de produire un deck un peu différent. Non ! Non, mon skill drain ! Ça fait quoi ? Bon, j'imagine que mon skill drain est détruit. Ouais, c'est mort. C'est archi mort. On est archi mort, les amis. Oui, ça me fait penser à un deck Odion, clairement. Elle est bien stylée, Wakiro, quand même. Les cartes Eldritch sont stylées, quand même. Bonjour, Zulu Vatican. Quoi, Zulu Vatican? J'aurais vraiment dû enlever les maxés dans ce deck. Bon, après... Ah, on a toujours un vaincu ici, bon... Bon, la chatte. Allez, on continue. Par contre, j'aimerais bien invoquer un monstre par sacrifice. Pour continuer... J'aimerais bien invoquer un monstre par sacrifice pour continuer le truc académique, là. Dis-moi, Oricalque, le monstre, il pourrait fonctionner avec les cartes pièges. Je sais pas ce que c'est. Putain, on le veut pas dans la main, ça. On le veut pas dans la main. Ton aura pharaonique lui fait peur. Ouais, c'est ça. Je veux la stat des victoires par connexion alors que tu te fais rouler dessus. Ah, s'il y a Fenrir, je suis pas bien. S'il y a Licorne derrière, je suis bien, mais... Ah, s'il y a Fenrir... S'il y a Fenrir, c'est la sauce... Dis-moi qu'il va chercher licorne. Il va forcément chercher licorne. Ah, j'avoue. J'avoue. Ah ! C'était ta dernière invocation de ce tour ! J'en ai fait des tonnes, pardon. J'en ai fait des tonnes. Ajouter de magie cache-tire, vas-y. J'aurais dû attendre qu'il fasse cache-tire Théose pour faire limiteur d'invocation. J'étais bête. Alors... Détruisez le monstre adverse. Est-ce qu'on a envie de détruire cette licorne? Ou est-ce qu'on a envie de la laisser vivre et de perdre un monstre?
pense pas que j'aurais dû faire ça. Ok, maxé, le gris, ça va. Après, il va peut-être pas vouloir me la gérer. Bon, si, normalement, il doit. De toute façon, il va pas lire. Ok, le Zeus. Bon, ça va être dur d'affronter Cash, quand même. Ah, c'est une autre. Si un autre... Oh non. Oh non, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Oh, et ça, il va enlever mes pièges du cimetière. Donc ça, ça aura pas de patate. C'est très décevant. Ceci est très très décevant. Attends, il regarde une carte de ma main. Si tu fais pas de magie, ça... Ok. Ah, fais chier. Bon, bah, on est dans une sauce mémorable, les gars. On est dans une sauce mémorable, hein. En vrai, c'est ok. J'aurais peut-être même dû spellarer. Le problème, c'est qu'il y a Cash Tirateos, là. Une sauce pharaonique. Ça va, ça va. Il y avait pire. Enfin, Fenrir casse la tête. Invoqué en défense, quand même, on note. Hein. Il reste plus qu'une semaine. Le problème, c'est qu'il fait trop de cartes advantage, quoi. Object et... Ok, je sais pas. Ok. Ah, c'est pas ce que je voulais voir. Elle a pas d'effet, hein. En fait, il faut vraiment que je joue. Mais elle a pas un effet, elle. Ouais, le problème c'est que là il a Unleash. Ah oui, c'est elle qui détruit, ok. Bon, bah, raisonnement. Ah ouais, mais non, il arrive quand même. Ouais, c'est compliqué. Mais même raisonnement, là, dans le deck. Même raisonnement, là, dans le deck. J'y crois moyen. Et je peux même pas faire raisonnement en plus. Tu penses quoi du deck Cash Tira? Bah, c'était un des meilleurs decks, hein.
qu'il ne manquait pas grand-chose pour le contenir. Je pense qu'il ne manquait pas grand-chose pour le contenir, mais... Est-ce qu'on mettrait pas un pot de prospect plutôt ? Est-ce qu'on mettrait pas un pot de prospect ? Golem de lave. En fait, ça dépend si je joue raisonnement ou pas, quoi. C'est ça le truc. Il y a une carte piège continue qui empêche de ban. Oui. Oui, mais bon. Je vais rencontrer combien de cash ? Ok, on joue deuxième. Temple des rois, elle tuto pas, on est d'accord. Hein. Elle permet juste de set une... Ok, de maxer. Wouah ! Wouah ! Dommage de pas avoir de CM maxé. Le problème, c'est que je vais faire maxer. Ah, c'est très très problématique là. Cardan, c'est bien quand tu l'as en milieu de game, mais quand tu startes avec, c'est pas fou. J'hésite à le 7 pour essayer de pas mourir. J'espère qu'il va essayer de péter une de mes cartes en main. Plutôt que sur le terrain. La question. Est-ce que je maxe maintenant? Ou est-ce que... Moi je pense que je fais pas de maxer. Et que je me dis qu'il a grand bienvenu. Sur le board. Parce que si je fais maxer, il va chaîne grand bienvenue. Et que je me dis que, vu la physionomie de la game, si je veux gagner, faut que je prenne des risques. Pour essayer de revenir un tout petit peu dans la game, mais là je suis déjà très très loin. Alors il chaîne ou pas ? Non, bon, allez. Allez, hop. Mais si tu chaînes pas, il va pas chaîner. Ouais, c'est vrai, je suis con. T'as raison. Ça change rien, parce que dans tous les cas, il peut chaîner, à mon max. C'était nul comme raisonnement. Bon, moi, je vois que la version évoluée de mon deck marche moins bien que la version non évoluée. Je sais pas ce que vous en pensez. Zoul en carton. Salut Vito. Ok, maxé, pot d'extra. On est content. C'est le minimum. Ah, c'est sous chip. C'est sous chip.
Allez, yes. Dis-moi, pas de call-by. Oui, Oh non! Oh non! Petit sushi parti trop tôt. Tu joues pas des de sorcellerie, ouais. Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu notre deck. Hein. Le mélange d'Engine et tout. Allez. Bagou. Bon, le problème c'est qu'on dévoue notre deck là. Après contre Plumeau, on est tellement mort quoi. Ok, c'est un start pas trop dégueu. Non, j'ai pas voulu jouer Tradition Impériale, je trouve ça trop lent comme mécanique. Moi, il me faut des trucs qui bloquent mon adversaire. Oh, purée, c'est un Exodia. Putain, fais chier! Après, je peux annuler une carte, mais... Ah, c'est un runique. Ok, ok, ok. Wow, runique, ça va être chaud pour nous quand même. Non, je joue pas Temple des Rois. Alors, on ne peut pas. Ok. Chaque joueur applique un des effets selon le nombre de cartes posées dans la zone magie ou piège. Zéro, tous les monstres qu'il contrôle ne peuvent ni attaquer, machin. L'attaque de tous les monstres qu'il contrôle devient le double de leur attaque d'origine. Ok. Donc là, si j'invoque un monstre mais que j'ai des cartes posées, ça ne m'affecte pas. Oh, c'est quoi ce deck chelou encore ? Si Fossil Dina a du jeu. Ah. Effectivement. Non mais je connaissais la carte. Je connaissais la carte. Lui dit pas les zombies par hasard. Ah, je peux sacrifier juste un monstre. Ok. Ok, c'est pas inintéressant. Le problème, c'est que j'ai trop envie de faire ma... mon truc académique. J'ai juste envie de faire mon truc académique. Jusqu'à la fin de ce tour.
Mais je crois que ça change rien, ce que j'ai fait. Ok. Wow. Allez, super. Allez, on s'amuse, hein. C'est Morphojar. Ah non. Ah, on passe un bon moment en tout cas. Oh là là. En fait, si j'avais pas Edlish, ça pouvait marcher. Faut que je trouve un moyen de me débarrasser d'Edlish. Ah, c'est finito. J'ai rien pour gérer les backrows. Finito pour lui, évidemment. C'est finito pour lui, évidemment. Au bout d'un moment, faut arrêter de me faire chier. Je suis Zul, le pharaon de Dunkerque. C'est quoi cette chatte? Juste le passage pour célébrer mon sub. Bonne suite de stream à vous. Merci Dreamrip. Non mais c'est quoi cette chatte qu'on a? L'aura du pharaon est trop forte. Putain, le duel était bien parti, puis très mal parti. Si tu FF, c'est pas ouf les Dexton. J'ai pas compris. Voilà Zul Dealer. Bah bien sûr. On leur dit nous ou pas nous? Bien sûr qu'on leur dit. On dirait plus un boxeur qu'un pharaon. Peau de prospect, belle ajout hein, dans le deck. Très bel ajout dans le deck. Vu ma main, je vais pas prendre maxé. T'es en roue libre. Bah bien sûr qu'on est en roue libre, non. Après, je me dis que peau de dualité est pas si mal dans le deck non plus. Oh. Waouh. Ok, on est vraiment en pharaonie, comme on dit. En Égypte ancienne. Le problème, c'est, est-ce que si je fais Skill Drain, j'annule les effets de mes monstres pièges, je pense. Le vrai pharaon va gagner, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Edlish. Non mais oui, je sais. Bienvenue en Égypte antique. Ça ose attaquer le pharaon avec des disciples. C'est clair. Hop là. Je peux même faire ça en bout de chaîne, hein, je pense. Que vous contrôlez, ouais. Ouais, je pense. Allez, c'est une phase, ça. C'est ciao. Allez, donne-moi une magie au piège. Wow, c'est trop fort. Le problème, c'est que j'ai rien à invoquer.
Le choix est dur. Le choix est très dur, mais vu que j'ai skill drain, je vais le faire comme ça. Ok. De toute façon, c'est un deck égyptien, son truc. C'est obligatoirement un deck rat. On ira regarder la liste après. Je rigole s'il y a une sphère. Oh putain, c'est possible. C'est peut-être Bakura en face. C'est vrai. Ah! Alors, je m'attendais à beaucoup de choses sauf à ça, quand même. Dis-moi qui tape à gauche. Incroyable. Bon, on est quand même condamné à jouer avec des gens qui jouent des monstres normaux et qui battle, quoi. C'est-à-dire, on est tombé bien bas, les amis. Go faire l'invocation sacrifice. Ah, putain, t'as raison. T'as raison. J'avoue, c'est là qu'il faut que je fasse l'invocation sacrifice. Je la ferai au prochain tour. Parce que je veux absolument garder ça. Ouais, j'avoue, j'aurais dû la faire ce tour-là, en fait. Parce que s'il abandonne... Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Ah putain, je vais être trop lent. Ah si, c'est bon. Oh, j'espère qu'il va pas quitter. Hein ? Hein ? Mais d'accord, c'est annulé. Ah oui, c'est un coup, c'est un coup. Ok, ok, ok. Faut pas quitter, yes. Fallait pas quitter, monsieur. Allez, vous foutez pas de ma gueule. Nous, on fait les quêtes pour la Duel Academy, d'accord. On fait les quêtes pour la Duel Academy. Ok, on doit... Le jeu, il a dit qu'on devait invoquer normalement nos monstres par sacrifice. Et là, il doit me prendre pour un noob fini. Bon, il aurait pas tort, hein, quoi qu'il. Allez, let's go. J'adore. Ah bah, on y va, hein, là. Là, on est quand même sur un duel atypique. Attends, il va pouvoir invoquer, là. Mais ils sont détruits, là, une phase. Attends, on est quel tour? On est pendant mon tour ou le sien, là? Moi, je suis bleu. On est autour du rouge. Ah non, c'est sa main phase. Alors, attendez. Chaîne 1. Chaîne 2. Non, il faut d'abord que je chaîne ça. Bon après, quoi qu'il, j'ai skill drain. Oh, fait chier, ça. Mais c'est quoi ce deck de dégénéré, les gars? C'est quoi ce deck de dégénéré qu'il a? Je sens que je vais péter un câble en le regardant. Je sens que je vais péter un câble. Deck égyptien numéro 1.
Ah bah oui, c'est ça. Ok, il veut se servir de ça pour invoquer ses... ses dieux égyptiens. Ok, make sense. CSC. j'ai raté mon move. Ah ouais, un peu tard. Ah ouais, un peu tard quand même. Un peu tard. Bon bah autant péter une backrow, hein. Oh. Oh, je viens de lui donner accès à Obélisque le tourmenteur. Oh, je l'ai baisé. Oh, je l'ai baisé. De toute façon, il prend Skill Drain. Non, mais s'il m'invoque un Obélisque le tourmenteur à 4000, je mets certainement pas Skill Drain, gros. Ah, mais ça a compté. Est-ce qu'il peut invoquer son Obélisque? Oh non! C'est pas grave. Putain, je compte mon frérot. Ah non, on va pas skill drain, hein. En fait, l'effet de cette carte, elle dit aussi qu'elle peut pas être annulée. Détruisez tous les... Si vous contrôlez un monstre d'origine obélisque, annulez les effets d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Si vous faites détruire... Puis si vous avez activé machin... Détruisez toutes les cartes magie ou piège contrôlées par votre... C'est pas grave, je vais le ken. C'est pas grave, je vais le ken. Je vais le ken. Je suis Zul le pharaon, mon gars. Je suis Zul le pharaon, les gars. C'est pas grave. Hein? Mais ça détruit pas tout, mais... Tes cartes n'ont pas d'effet sur moi, mon ami. Let's go! Comment on gère ça? On gère pas! Yes! On gère juste pas, les gars! Est-ce que ça, ça cible? Vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la! Yes! On gère pas, les amis! Et j'ai pas mis de X6-10 par hasard! Non, j'ai vraiment pas mis de X6-10. Si j'avais mis le X6-10 canon, j'aurais pu faire un truc, mais... J'ai même pas mis les trains. Les gars, je suis un pharaon qui part en exode. J'ai trouvé mon maître en la matière. Par le pouvoir des dieux! Que faire? Mais que faire, les amis? Mais pourquoi vous voulez que je ramène le Lord en main? Dans les deux cas, ça cible. Dans les deux cas, ça cible. Pour faire son effet avec un skill drain. Ah, c'est pas con. Mais les gars, si je gère Obélisque maintenant. Donc ça veut dire péter par exemple limiteur. Faire skill drain. Ensuite... Donc, péter limite, récupérer ça, faire skill drain, jeter Wakero, gérer ça. Prendre Wakero, mettre... Le problème, c'est que s'il me remet un dieu égyptien, les gars,
Je suis pas bien. Je suis pas bien. Il va encore pouvoir faire réseau numéro en plus. Mais vu qu'il y a skill drain, ça va aller. Oui, mais tu gagnes tranquille. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le sentez? C'est quoi cette musique? Il est parti où le pharaon là? Il est parti où le pharaon? Il est dans les îles caribéennes? Moi je veux retourner en Égypte. Ok. Wakero, c'est RP avec la musique. Pharaon sous Rome. Oh non! Bon, c'est la troisième et dernière, du coup. Ça va être trop marrant quand il va vouloir... Ah non, il va vraiment m'invoquer. Ah, s'il m'invoque un obélisque, les gars, depuis la main... C'était sûr! C'était sûr, les gars! Oh! Il a pas d'effet! Ton Dieu! Ne fais rien! J'ai rien dit! J'ai rien dit! Bon après, baiser, il passe même pas mon monstre. Ça va. Ton dieu ne fait rien. C'est ce que je disais. Ok, let's go. Il est l'heure pour moi de marquer une pause pour le suspense. D'invoquer depuis mon deck Edlish en position de défense. Pardon, j'aurais vraiment dû mettre les X6-10 dans mon deck. Mais c'est pas grave. Et vu qu'il est invoqué en défense, il ne perd pas d'attaque. Parce que je suis le roi des dieux égyptiens, mon ami. C'est moi le pharaon, la toute puissance éternelle du dieu et de la terre. Ensuite... Je vais. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Activer l'effet de sanguine. Hop là. M'a bien aidé le l'engine Edlish quand même, hein. Hop les. Hop les mon ami. Par contre, j'ai plus de sanguine après. Tu as gagné large. Ah bah bien sûr, j'ai gagné large. Oh, il y a peut-être une force de miroir, les gars. Oh, vous le sentez? Oh, vous le sentez? Un Edlish à 1500. C'est mon Edlish, petite bite ultime. Mais il est vaillant, t'inquiète pas. Edlish détruit son slipper. Et maintenant, seigneur de la terre d'or, détruit Yugi Muto. Il ne peut exister qu'un seul maître des dieux égyptiens. Et c'est moi! Imagine Jarre d'Avidité, draw 1. Ça aurait lose. Pourquoi? Pourquoi draw 1? Ah oui! Allez, comprends. Ça aurait pu être marrant.
Ça aurait pu être très drôle. Yes! Examen pratique validé. Yes! J'ai oublié d'enlever mon casque. Je suis donc maintenant le pharaon obélisque bleu. Je suis dans ma forme ultime. Il s'agit d'une forme que très peu de joueurs peuvent atteindre. La forme pharaonique obélisque bleu qui va me permettre de répondre aux questions. Ah, il faut aller dans le menu, en fait. Le joueur ultime. C'est le joueur ultime. La fusion, les amis. La fusion. Oh, oh là, c'est 5 tickets héritage. Magnifique. Ok, on a 5 réponses. 5 questions à donner. Répondez correctement à 3 questions pour réussir. Facile. Je suis le pharaon obélisque bleu. Quel compteur est placé sur le par effet de la carte Rodenut? Oh les bâtards. C'est effectivement un compteur noir. Ok, question numéro 2. Quelle carte n'est pas incluse dans le pack héritage? Le dragon blanc aux yeux bleus, le magicien du temps, Jinzo ou le spadassin des flammes? Il s'agit de Jinzo. N'est pas incluse. Le dragon blanc aux yeux bleus. Oh, ils m'ont baisé. Si un monstre en position d'attaque avec 0 d'attaque, attaque un monstre en position d'attaque à 0 d'attaque. Quelle est la bonne résolution? Aucun n'est détruit au combat. Ah, c'était marqué le dragon noir aux yeux rouges, merde. Laquelle de ces affirmations suivantes sur les partenaires est fausse? Chaque partenaire possède une carte originale. Hein? Oh, je me fais baiser, les amis. Dans, choisis le... Choisis par héritage du monde, en mode solo. J'ai pas fait, moi. C'est bien sûr la réponse armure du monde. Et c'était très simple. Je suis le pharaon obélisque bleu. Maintenant, il s'agit de l'examen pratique. Oh, j'ai cru qu'ils avaient marqué un disque de duel. J'étais là en mode quoi? Disputer un duel 3 et détruire une carte 10. Oh, c'est parfait pour mon deck ça. C'est parfait pour mon deck. Attends, on est gold 1 avec un super deck. Ah non, je veux pas changer de deck. Je rappelle qu'on joue un deck unique quand même. Oh là là, de toute beauté. On n'a pas encore fait raisonnement là. On n'a pas encore fait raisonnement. Mais ça ne saurait tarder. Bon, je repasse dans ma version sous-évoluée, les amis. Oh non, je joue deuxième, casse la tête. Hop là. Ok, oh, c'est une bonne main, ça. C'est une très très bonne main, ça. Ok. Oh merde, rescou... hey, je connais pas. Vous pouvez choisir le monstre à effet contrôlé par... Vous pouvez sacrifier cette carte. Ok, ok. Mais pourquoi il l'a pas hein, sacrifié depuis sa main? Hein? Il va rien faire d'autre? Oh, mon Maxeki ne sert à rien. Oh, ça va être difficile à manœuvrer, là. Quoique. Oh, là, quand même... un très bel assortiment de cartes, là, quand même.
Donc il faut que soit ça en... ce soit OK. OK, OK, c'est bon, c'est bon. J'ai mon plan, j'ai mon plan. I have my plan. I have my plan. Regardez bien parce que c'est incroyable. Regardez bien, ça va être incroyable. Pourquoi il sait tout avant de battle? Ouais. Vas-y, amène-la, amène-la. Vas-y. Vas-y. Ouais, s'il te plaît. Alors, je vais jouer avec Romy sur les bras. Avant la main phase, machin, voulez-vous activer un truc? Non. Alors, il est l'heure d'activer. Pourquoi je peux pas activer ma carte Apophis? Non! Je voulais pas prendre les dégâts. Pourquoi je peux pas activer Apophis, les amis? C'est la princesse d'Égypte qui est là, effectivement. Ça va, Romy? Pourquoi je peux pas activer Apophis? Le buff Romy va te rendre plus fort, mais bien sûr. C'est en main phase, Apophis. Oh, ah, je savais pas. Je ne savais pas. Alors, j'active. Hop là, ma statue de motif d'angoisse. Où est mon cœur? Ensuite. Ce qui va me permettre de détruire ces deux monstres. Oh, trop fort! Putain, c'est vraiment pas une fois par chaîne en plus. Ah si, peut-être. Oh là là, non, c'est même pas une fois par chaîne. Juste incroyable. Eh, je savais pas qu'Apophis est en main phase. Ah, je me suis fait avoir là-dessus. Il veut faire quoi? Il veut invoquer Spé? Qu'est-ce qu'il veut faire? Invoquer spécialement un monstre. Ok. Parce que c'est... Ah non, c'est son tour, ok. Ok, Hydran. Ah, le problème, c'est qu'on est en battle. Alors, elle aurait dû absolument gérer cette carte, plutôt. Alors, là, j'ai un dilemme. Soit j'annule l'effet, soit je gère la carte. Et ça, ça permet... Durant machin, vous pouvez ajouter un monstre rescue. Je pense que je vais juste gérer la carte, hein. Ah mais l'effet est... Attends, on est dans la chaîne là? Ou la chaîne est... Est-ce que la chaîne a déjà été résolue? La chaîne est finie. Oh ouais. Oh ouais. Ok, call by. Franchement, ça joue, hein, comme deck, quand t'as les bonnes cartes, évidemment. Alors, ensuite, maintenant, tu fais... Sur Wakero, avec Wakero, tu vas aller chercher, en plus, Sanguine. La main de Dieu, bah, ça joue fort, hein. Et c'est le buff Romy, les amis. Après, Rescue, c'est pas encore très fort. C'est pas encore très fort dans... Ah, Wakero, je l'ai invoqué ce tour, donc je pourrais pas le faire.
Est-ce qu'on fait encore un pot de sorcellerie? En vrai, de vrai, pas encore. Allez, c'est le moment, fais un giga raisonnement là. Je vais envoyer au moins... Ouais, mon cœur! Regardez la fureur du pharaon! Oh non, le seum! Une carte! Ok, désolé, la princesse du pharaon a été expulsée. Bon, est-ce que les gens avaient vu le move que j'étais en train de faire? Est-ce que les gens ont vu le move que j'étais en train de faire ou pas? J'étais en train de res Fenrir. Quel talent, mon bon pharaon. En vrai, on aurait dû compter les victoires des fêtes, on est pas mal, hein. Bon, on a eu de la chatte sur quelques games, mais... Bon, évidemment, le deck est pas insane. Mais sur un malentendu, il peut vraiment être très très gênant. Et assez fort. Il est juste pas consistant, en fait. Oh. La main est très très nulle. Ah, si je me prends une hache. Ah, je me prends hache. Ah, moins qu'il a maxé. Après, limiteur peut stopper un tour. Hein. Ok, c'est très bien le maxé. C'est très très bien pour nous, c'est-à-dire qu'il gâche une carte. Ah, les deux avènements, ah, c'est terrible. Terrible. Ouah, il a pas HPO. Il a pas HPO d'extra. Let's go. Alors qu'il hache raisonnement. Alors que j'en avais pas besoin. Let's go. Ça va, on est bien, on est bien. Bon, on est bien, on est dans une précarité quand même, hein. Je pense que j'ai trop de monstres pour jouer raisonnement.
Bon, il va falloir être sacrément bon. Ok, Gotti. Oh, ah, il peut summon pendant mon tour et tout. Je pense qu'on est dans la sauce. Vous ne pouvez pas activer machin. Je peux piocher le tour ou je fais prospect, je sais plus. Pas piocher, ouais. Wow, y a un dilemme là quand même. Hein. Je pense que je joue le tout pour le tout, je fais pot de sorcellerie. Après, il peut faire qu'une une synchro 6 dans son deck, ça fait des trucs. Je pense pas. Hein. Putain, mais j'ai les deux avènements plus le headlish. Ah, c'est terrible. C'est le pont Gotti. Ok. Ah, mais je suis con en fait. Ah, il fallait que je laisse la summon. Il fallait que je laisse la summon. Je suis teubé. Je suis teubé. J'ai mal joué. Tu reprends quand le format compète? Pas pour le moment. Mais je commence à récupérer les cartes pour faire les decks méta. Quel con d'avoir enlevé ce... J'ai vraiment joué comme un pied, là. J'ai vraiment joué comme un pied. C'était archi stupide. Ouais, j'ai vraiment rien, quoi. Je suis vraiment à poil. T'as déjà une idée de ce qui te plairait? Un deck Horus ou un deck Jabal Star, j'aime plutôt bien les mécaniques. Après, pour l'instant, je suis encore dans la phase où j'essaie de bricoler des trucs. La 10, elle bannit tout de mon board, hein. Elle est vraiment très belle. Alors que tu joues un deck avènement pharaonique. Ouais, permets-moi d'en douter quand même. Ne pas jouer Nibirutun en compète. En vrai, j'ai déjà réfléchi. Mais il faut que je taffe le deck pour... Horus Harpie. Oh, tu sais, j'ai déjà essayé des trucs. Quelle idée de con d'enlever Summon Limit, quoi. Je sais pas ce que je m'attendais à piocher. Qui était mieux que Summon Limit. Rien, en fait. Ah, rien.
pense que la mécanique des pièges est vraiment pas mal. Faut juste que j'enlève... Ouais, putain, j'ai crafté deux UR. En fait, dès que j'ai ça en main, je commence à briquer, quoi. Ah, j'aurais pu annuler son effet, par contre. Ah, je peux... Ouais, ouais. Vas-y, tue-moi. J'ai oublié de faire ça en main phase. De toute façon, ça change rien. Je pense que si je veux jouer avènement pharaonique... Terrible. Non mais vas-y, je veux juste que tu me tues, mec. Chute, de quoi chute? On peut tester de faire un truc avec Uria. Non mais avant tout, je vais tester un deck avènement pharaonique pur pour rigoler. Plus dur que prévu d'invoquer le pharaon, ouais. En fait, faut que je joue pur si je veux l'invoquer. Avec les raisonnements. Mais bon, c'est vraiment beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Pourquoi j'en ai craft 2 30 tickets pour rien. Qu'est-ce que j'ai glandé? Allez, tue-moi, là. Tue-moi, kill me, please. Vas-y, il me saoule. Il me saoule, je vais activer mes cartes, sinon il va jamais jouer. Si j'avais posé l'arrêt, j'aurais pu negate les deux. Ah là 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 là. Et où ma bouteille? Allez, vas-y. S'il tape ça, avant j'ai FF, putain. Putain! Merci Wonderdrive, bon après-midi à toi. Merci pour ce divertissement, et bah de rien, Ravage. Bah toi, il m'a pas tué? Pourquoi il m'a pas tué? Oh mais le chien! Oh mais quel chien! Il avait... je me suis mis à espérer. Je me suis mis à espérer sur le maxé quand même. Hein. Je me suis mis à espérer sur le maxé. Je me suis. Oh, s'il me fait piocher le petit monstre là, il y a moyen de faire des trucs. Il farme ses missions sur toi. Ouais, j'avoue, je peux même... mais je peux même pas suicide. Vous avez vu l'histoire du chauffeur de bus qui écoute mes vidéos dans son bus et qui en fait profiter tout le bus? Vous avez vu ça ou pas?
sur mon Twitter. Regardez. Comment je cut la musique là? Par exemple, alors il peut détruire un, et pourtant de temps, il va cibler en plus le tout dommage pour en cibler. Et c'est le chauffeur de bus qui met ça sur les haut-parleurs du bus. Ah, il détruit deux même. C'est chiant. En vrai, c'est à lui. Et là, c'est le retour de Baku. Et Judas, je pêche un coup. Jour 2, le chauffeur met toujours Zulu dans le bus. Cette fois, je crois aussi reconnaître la voix de Doc Seven. C'est sur la vidéo après. Attends, mais il y a ma voix. Ouais, c'est une game avec. Attends, il y a ta voix là ? Ce qui pourrait nous aider à revenir, c'est le plus haut de la marque. Parce que si tu détruis sa carte. Bref, force aux mecs dans le bus qui connaissent rien. Qui connaissent rien. Et qui sont là en mode, mais c'est quoi ce truc ? Ils pourraient mettre de la musique, tu vois ? Non, il met mes vidéos. Bon, moi, ça me fait rire. BG à lui. Ah, c'est peut-être Radio Yu-Gi-Oh! Peut-être. Même en y connaissant, pas facile de suivre en plus. Ouais, c'est clair. Le bus de la Duel Academy. Go le rencontrer. C'est un bus privé. Je sais pas. Non, je pense pas. Ça a l'air d'être un bus de ville. Et il y a un mec qui prend le bus tous les jours et tous les jours il m'envoie un message en mode. Bon, ça fait deux jours, hein, mais. En mode. Ah, il a encore envie de vidéo. $7,500, pas mal. Des monstres bannis. Ah. Ouais, il en a banni pas mal. Le chauffeur de bus est peut-être sur le stream. Ouais, salut le bus. Je le fais sur la mienne lors des longs trajets. Plus simple quand c'est du rétro, car tu connais mieux les cartes. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Attends, il me battle pas là. Oh, c'est vraiment un bâtard. C'est vraiment... Oh, c'est vraiment un chien, putain. Ah, oh, c'est vraiment un gnache. Ah, je peux me suicider sur ce mob. Merde, j'aurais dû enlever ça plutôt. Allez, hop, on se tue. Vraiment nul. Nul. En même temps, tous mes pièges sont bannis, quoi. Bon, pas mal. Pas mal, mais... Il faut que je split le deck en deux, en fait. Il faut vraiment que je split le deck en deux. Il faut que je fasse une partie pharaonique. Pharaonique en faisant ça.
Hop. Pléiades. Qu'est-ce qu'on a? Bah, si, Twitter, on s'en fiche. Ok, j'ai un guess. C'est la vidéo où tu coaches Franck. Ah, c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qu'on met d'autre en piège continu? Piège continu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre? Ça me paraît bien. Hop, on va mettre ça. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Zulu avec la carte magie, si tu perds tout ton deck, bah c'est pas grave, c'est le but. C'est justement vraiment le but. C'est d'envoyer un maximum de trucs. Merde, au cimetière. Je viens d'arriver, je vois ça. T'inquiète, tout va bien, tout va bien. Promis, ça va. Merde. Ils sont où les monstres qui s'invoquent là? Ils sont où les monstres qui s'invoquent? Alors ça c'est non. Putain, le bignou commence à me casser la tête. Ah c'est ça. Est-ce que je mets des trucs comme ça? Ouais non, c'est trop lent. En vrai, faut que je mette des floodgates, non? Ah bah non, pas du tout, non. Tu mets pas le monstre pour invoquer le dieu égyptien, Slime. Si? Ah non, mais le monstre, non, j'en ai pas besoin, justement. En fait, ce que je veux, c'est avoir très peu de monstres dans mon deck. Pour que quand je fais un raisonnement, j'envoie masse au cimetière. Est-ce que ça, c'est intéressant? Je suis pas sûr. Ah, faut que je mette du paléo, je pense. Mais paléo, ils sont pas continus aussi. C'est ça qui est embêtant. Est-ce qu'il peut activer ses effets? Peut ni attaquer ni changer sa position de combat, donc ça c'est nul. Tu veux un pharo à plus de 3000 de patates, c'est ça la tech. Ah bah oui, c'est ce que je veux. C'est exactement ce que... Yo, si jamais il manque la meilleure piège continue sur AMD actuellement, elle s'appelle C'en est fini. Ça existe? Je vois ce que c'est, hein. Mais elle est déjà sortie. Je crois pas. Il manque la meilleure piège continue sur... Ah oui, ok, on est d'accord. Mais je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est.
Est-ce que je mets ça? En vrai, il y a moyen. Non, justement, mais ce sera la meilleure. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu... Non, c'est pas mal. Ok, est-ce que je fais ça? J'hésite à mettre un cardan. J'ai peur de le regretter, que ce soit le cardan qui soit sélectionné avec mes raisonnements. J'ai peur. Après, ça va, ça fait 3 monstres. Portail de monstres. Sacrifier un monstre. Dévoiler des cartes dessus de votre deck. Invoquez-le spécialement. Ici, on voit les autres. Raisonnement est mieux. Mais répression, le problème, c'est si je perds la piège, le monstre retourne à l'adversaire, quoi. Joue les deux, vas-y, testons. Testons. Et je vais... Je vais tester une répression. Ton deck est vraiment si fort que ça? Non, c'est... On reste dans les decks fun, hein. Mais c'est juste que... Edlish, c'est bien avec les pièges comme ça. Enfin, c'est bien. Ça reste moins fort qu'un Edlish classique, je pense. Mais la mécanique peut être surprenante. Là, je voulais exploiter à mort le côté pharaonique. En vrai, le deck a battu les meilleurs decks. Bon, déjà, si on go second, c'est chiant. Changer de deck! Oh, fais chier. J'ai pas changé de deck. C'est plus fort que le deck dragon attaquant? Non. Après, c'est du BO1, t'as le droit d'arnaquer sur Master Duel, c'est ça qui est cool. Vu que c'est du BO1, tu peux prendre une game à n'importe qui. Oh, j'ai déjà envie de quitter. Hop, s'en fiche. J'ai pas pris le bon deck, ça compte pas. Plus fort que Michel Épée, bien sûr. C'est pharaonique avec 2 i, bien sûr. J'ai pas fait gaffe, t'as vu la carte réflecteur dimensionnelle. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi le deck aujourd'hui? Le thème du deck, c'est pharaonique. Avec les pièges monstres. Matmec qui prend sa revanche. Salamangrande. Normalement, c'est Matmec. C'est Salamangrande. Putain, je suis bon, moi. Akuba affiche le chat. Non, ça n'existe pas. Ça qui est trop chiant quand tu joues un deck piège comme ça et que tu go second. Ah, c'est chiant. Surtout que j'ai pas beaucoup d'interactions, hein.
Est-ce qu'il y a du support salade récemment? J'en vois plein en ce moment. Ouais, il y a eu en TCG. Sur Master Duel, je crois pas. Enfin, si, il y a eu la lien feu, mais je sais pas si elle est jouée. Après, Gazelle a dû se faire des bans. Ouais, Gazelle est des bans. Putain, c'est dinguerie, ça. Tu joues jamais méta. Sur Master Duel, ça m'intéresse pas de jouer méta et en TCG pour les événements, quoi. Je pense que si je pouvais jouer la méta TCG sur Master Duel, je jouerais méta. Mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est faire du deck build. Et sur Master Duel, c'est super accessible le deck build. C'est facile à faire, t'as pas à chercher des cartes partout. Vu que j'ai pas mal de cartes sur le jeu, je peux craft pas mal de decks. Ça me permet d'avoir un contenu différent aussi. Bon, même si je joue souvent... ok, je joue souvent les mêmes cartes, mais... Sur Master, la lien 3 feux, quand il y aura la X6 Banshee qui foolish statue barrière, ça sera un peu plus costaud, c'est un bon grand. La X6 Banshee. Ah, je crois voir ce que c'est. Je l'ai eu en quarter, c'est ça? C'est celle que j'ai eu en quarter dans Rarity? Bah non, ça peut pas être ça. Dans Agov, peut-être. Celle que j'ai eue dans Agov, non? Bon, on se fait chier. Hein. Désolé, le chat, on se fait chier. Banshee de la flamme infernale. Banshee de... Alors, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Il faut deux monstres de niveau 4. Prenez un monstre pyro depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Si cette carte est bannie et que vous contrôlez un monstre pyro, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est bannie et que vous contrôlez un monstre pyro, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Et si vous le faites, elle gagne une attaque égale au nombre de vos monstres actuellement bannis. Ok. Eh, elle est pas mal, hein. Je l'ai mis à la vente, ma quarter. Enfin, c'est QC qui la vend. Peut-être la garder. Pyro, ça marche avec ça là. Bah, bof, en vrai. Ah, mais c'est celle-là. Princesse Prométhéenne. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre feu exclu. Vous ne pouvez tester chacun de ses effets. Ok. Une fois par tour. Dans votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu depuis votre cimetière. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre feu que vous contrôlez. Et un monstre feu. Et un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Et invoquer spécialement cette carte. Bah attends, il faut qu'elle soit aussi cimetière pour activer cet effet. Ah ouais, ok. Bon, la main est pas mal. Mais il faut pas qu'il interagisse pendant mon tour. Ce qui est très chiant. Ok. Ma main est forte, hein. Faut juste que je la joue correctement. Ah. Peut-être jouer trop tard.
Ok, je peux annuler son effet. Alors attendez, il faudrait que je détruise ça, ça, ça. Si je détruis, ça va pas, il faut que je l'annule. Faudrait que je détruise ça, ça, et que j'annule ça. Donc, j'active ça. J'active ça et ça. C'est-à-dire que je peux détruire deux... Bon, on va essayer. On va même activer ça plutôt. Et je pourrais annuler ça aussi. Je mets peut-être mes œufs dans le même panier, mais... Ok. Donc faut juste pas que je détruise ça. Sélectionnez une à trois cartes. Faut pas qu'elle détruise ça. Cette carte ne peut pas être ciblée par effet. Ok, cool. Ok. Ah merde! Oh, elle peut se réinvoquer elle-même en fait? En vrai, j'aime bien parce que c'est vraiment pas donné comme deck quoi. Il y a vraiment de l'interaction. Le tour était intéressant. Elle se spé à chaque tour. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Le problème, c'est qu'il pourra refaire le phénix pour... Ah, je me suis fait avoir, je crois. Je crois que j'aurais dû laisser passer. Je crois que j'aurais dû laisser passer, j'ai... Ah, c'était con. J'ai été très con. J'ai été très très con. Lien 4 et ça c'est une. Lien 3. Ah, trop tôt en fait. Je m'en fiche qu'il réinvoque du sim en fait. Ce qui m'importe c'est au moment où il invoque le monstre qui va tout me gérer. Faire Apophis en fait. Ouais, c'était stupide. C'était stupide. Et là, ça y est, j'ai plus rien. Bon, deux Apophis plus ça, c'est pas mal, hein.
Après, ah, il va pouvoir la remettre dans son deck avec Sunlight Wolf. C'est stylé de jouer le Salamangrand en mode full feu, j'aime bien. Alors, est-ce qu'il peut continuer à jouer ? Il avait peut-être pas vu que ses cartes étaient annulées. En tout cas, très intéressante. Putain, j'aimerais bien jouer un deck volcanique. Un bon deck volcanique feu burn, là. Ah, il refait le phénix. Même pas chaleur, Léo. Pour gérer mes backrows, ça. Ok. Très chiant, ça. Ta secours As, elle fonctionne bien. La ligne que 3. Dans secours As, ok. Bon, on n'a pas autant pris la sauce qu'on devait. J'ai l'impression. On est encore vivant, hein. Waouh. Pourquoi tu as pas 7 ta piège en attaque? Laquelle? Allez, là, il me faut... Il faudrait vraiment... Il faudrait vraiment que je pioche... soit un portail de monstre ou un... Putain, comment elle s'appelle cette carte là? Un raisonnement. Le problème c'est qu'il y a sa lien dans le Sincher qui va revenir. Et qui va... Oh non! Oh non! Finito les amis. Finito, j'ai une interrupte. J'ai une interrupte qui lui redonne accès à son monstre, donc ça sert à rien. Ouais, c'est mort. Ah, dommage. Dommage. Bon, dans tous les cas, je pense que c'était chaud. Non, je pense pas que je vais faire un deck burger avec le support. La voix que me donne le... En fait, le deck m'intéresse pas tant que ça, en fait. Le deck est très très combo et ça m'intéresse pas de ouf. Burger affamé, mais sans le support. Bah ça, j'ai déjà fait. Ouais, 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 ouais. Hey, Jaster, là, ça passe tellement vite. C'est demain, 5-6 heures du mat. De quoi? La mise à jour? Avec Burger affamé? Enfin, trop bizarre de voir les salamandres jouer comme ça. Ah, ça va pas marcher. Trop tard. Vu que c'est en réseau, c'est une nouvelle chaîne. Dommage. Dommage.
toute façon, il va, elle va quand même le réinvoquer. Ah, elle a pu protéger de la destruction. Ah. Ouais, je pense que je meurs derrière. La Link Pop 3. Elle, elle détruit tout. Putain, mais ça, c'est super intéressant quand même. Le problème, c'est que t'es lock en feu, mais... Ouais, c'est Belinx qui protège, bien sûr. Bon, dans tous les cas, même avec une carte, on remonte pas. On va juste le laisser me détruire. Pas mal quand même, hein. Parce que je lui ai détruit beaucoup de cartes pendant son tour, annulé beaucoup d'effets. Il a quand même réussi à jouer. Le problème, c'est qu'il avait déjà sa lien 3, en fait. S'il avait pas sa lien 3, on aurait pu faire un truc, mais là... Tu as vu un peu l'archétype centurion ? J'ai vu que ça pouvait être intéressant, mais je me suis pas encore renseigné. Eh, mais faut que je mange ma banane, moi. Je vais chercher ma banane, j'arrive. Ma banane! Sinon, ça va être trop tard. Tu vas être deg ou kiffé? Il n'y a pas l'entre-deux. Wouah, la main est vraiment naze. J'ai aucune interaction pendant la game adverse. Pendant le tour adverse. J'arrive. Oh, le deck de fou, les amis. Bien sûr, il y avait des bananes en Égypte antique, gros. Qu'est-ce qui branle le man? Mais il a déjà pété une piège, non? C'est un fou, lui, j'ai 3000 de défense, il croit quoi? Celui qui boit de l'eau et mange des fruits. Bah gros, j'ai fait 3 semaines de crossfit où je me suis bougé le cul comme un âne. Et au final, j'ai pris 1 kilo. Je me suis dit, je vais peut-être adapter ma bouffe quand même.
Le poteau joue en golf format. Bah attends, il va se prendre un truc, mon frère. T'es pas prêt, là. On va lui faire les pieds, je te le dis. Allez. Une, deux, trois. Ok. Bon, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Ajoutez une pièce continue depuis votre deck à votre main. Ouais, bon, on le fera après, hein. Tu la craft finalement. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai mis clic sur l'endroit où je voulais mettre le jeu, mais c'est pas grave. Bon, tout ça pour ça, quand même. Ça valait pas le coup de craft, les gars. J'ai perdu 60 tickets. J'ai perdu 60 tickets. Bon, easy. Bon, le mec, il a joué à un monstre de 2004. Le deck fonctionne pas, bah c'est pas assez fort quoi. Lourd la musique. Tiens, j'augmente un peu. Ah bah j'ai fini. Genre tu joues Uria? Non, pas encore. Super le gameplay. Enculé! Je vais lui montrer, moi. Mais les gars, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Je suis où, le pharaon? Le maître des harpies? Ton plumeau ne va rien faire contre moi, mon ami! Oh, annuler une carte? Oh! Oh, bah tu n'as plus d'effet! Bah qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais plus rien, mon pote! Zul! Le pharaon, maître des harpies, obélisque bleu! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, live jumelle! Même pas le temps d'aller jeter ma banane ici. Les liens live twin, c'est un ou deux? C'est deux, je crois. Et bah, let's go. Hey, let's go. Tu peux me donner ton monstre, mon ami. J'adore les... J'adore les petites jumelles. Allô. J'adore le deck Life Twin. Oh non, il a... Mais... Mais d'où il peut activer son effet, gros? J'ai pas annulé le... Ah, il peut pas activer son effet, mais son effet est pas annulé, c'est ça le bail? Attends la lien. Oh, j'ai plus d'interaction, sa mère.
Sa mère, oh non! On peut pas activer, mais les effets sont pas annulés. Ah ouais, je savais pas. Ah bah ouais, mais là j'ai le seum là. J'ai pas eu le temps d'acheter ma banane! J'ai déjà niqué toutes mes interactions, gros! Je lui ai rien fait! Merci à Kishiro pour le prime. Mange la peau, frère. Oh non. Je suis en train de me dire pour combien de subs je mange la banane. Je mange la peau de la banane. Mais je suis en train de me dire que j'ai vraiment pas envie de faire ça, en fait. Ah, ça doit être dégueulasse. Ah. J'ai bouffé. Ah, j'ai bouffé. Oh, oh merde. Ah, j'ai bouffé un bout. 2000 subs, je bouffe la peau. Cela dit, ça fait maigrir, quoi. Bananette, repose en paix, le pharaon. Ah, c'était tellement dégueulasse. À 666 subs, tu nous fais le deck des enfers. Oh bah ça va, on en est loin encore. C'est quoi le deck des enfers aussi? Salut, Ejiro. Je sais pas pourquoi je joue ce duel en fait. Wouah. Ah, c'était bien horrible. C'est quoi le deck que je dois faire à 666 subs, les gars? J'avoue qu'en TCG, il y a le... Il y a Jirai Gumo aussi en monstre piège. Qui est pas encore sorti. À combien de subs le cosplay burger affamé? À 600 subs le cosplay burger affamé. Le burger affamé pharaonique, même si tu veux. Ah, je suis encore dégoûté de la peau de banane, frère. Pour un don de 50, tu fais full carte limitée. Ah, un deck avec que des cartes limitées? Ouais, ouais, bien sûr. Si tu veux. Si tu veux, mon ref. Ça me paraît chaud, mais on peut y penser. Triple burger affamé qui n'a jamais eu d'épisode d'animé dédié. C'est vrai. Alors qu'il aurait pu... Oh non, pas encore ce deck. Il y avait pensé sans les 50 subs. Non, vraiment, j'y ai pas pensé, vraiment. Alors... C'est la pire expérience de ma vie d'avoir mangé un petit bout. C'est même pas un bout de peau de banane en plus.
Pour 1 million de subs, tu fais un deck Nibiru Toon. Ouais, yes. Ça me paraît être une bonne idée. Bon, this is now. Tout ce que j'espère, c'est de te voir un jour jouer un deck Gaïa. Ah ouais ? Oh, j'ai zéro carte. Et ça a l'air très nul, un deck Gaïa, non ? J'ai déjà des idées pour le cosplay du deck Gaïa, mais bon, tout va bien. Il y a le deck de structure. Mais c'est vachement nul, non ? Pour 1500... J'aime, tu as le deck Gaïa. Ah ouais ? Allez les gars, on s'arrête jamais. On envoie au moins 10 pièges continus au sim. Ce serait beau. Ok, encore. Et j'invoque ! L'avènement pharaonique! Il n'y a pas beaucoup d'attaques en fait. Il pue la merde. Explosé au sol. Après 5003, ça va, non? Ton cosplay, il me fait penser au même sur la malédiction du pharaon. Tu connais pas, va voir, c'est énorme. Le cosplay sur la malédiction du pharaon, ça me dit rien. À jouer dans le deck Horus obligatoirement. Lequel, lui ? Avènement pharaonique, tu dis ? Il a trop la classe, mais bon, il est un peu nul, quoi. il te pharaonique, ta daronne, quand même. Ouais, bon, il s'est fait pharao bannir quand même, hein. Mais c'est bien, il a géré le board. En une carte, j'ai obligé mon adversaire. Bon, il me reste 18 cartes dans le deck, par contre. Alors, ça veut dire, par contre, que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est-à-dire que si j'invoque un Uria, il a 11 000 d'attaque, là. Plumeau n'existe pas, non. Après, on a vu, j'ai pas peur des plumeaux. Allez. Vous pouvez bannir deux monstres poissons depuis votre main, invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez silencer, bannissez-le. Cette carte est bannie, vous pouvez bannir un monstre poisson. Okay. Non, j'ai pas peur du plumon. On n'a pas peur de ça! Alors, il connaît pas le principe de skill drain. Alors par contre, c'est-à-dire que si je réinvoque un truc pharaonique, il y a skill drain, donc pas ouf. Et c'est-à-dire que j'ai aucun monstre au-dessus de 2100 d'attaque. C'est-à-dire que je suis pas bien. Ça veut dire que je suis vraiment pas bien. Faudrait faire de la place pour le slim. Ah oui, c'est vrai que le slim. Mais le problème, c'est que je peux pas gagner contre mon adversaire. Ah merde.
Oh, c'est quoi ce poisson là? Alors, il a toujours pas compris, je crois, le man. C'est un bot en face. Oui, faut jouer la carte piège Uria pour avoir de l'attaque sous absorption de compétences. Hein, c'est marrant ce que tu dis, ça. Priscilla, si tu pioches Uria, tu joues une troisième âme tiki, enfin une troisième piège, paf, et tu l'invoques depuis ta main. En enlevant absorption de compétences. Le problème, c'est que contre le deck contre lequel je joue, c'est chaud, quoi. Bon, je vais vraiment le gérer avec mes pièges. Hein. Unlucky. Unlucky, les amis. Bon, ça sera toujours plus que... ça en termes d'attaque. À moins... Pourquoi je peux pas faire Garna durant la main phase de votre adversaire? Ah, merde. Ah ouais, merde. C'est pas grave. Hop là, bon bah on va taper avec ça. Hein. On va taper avec ça, tranquille. Alors c'est dommage parce que... En fait, c'est tout con. Hein. C'est tout con, mais j'ai besoin de... J'ai besoin de skill drain pour gagner là. Bon bah on est au Pérou les amis. Hein. Les aventures de Zul le Pharaon au Mexique, c'est comme Tintin en fait. Salut Jotaro. Ça sent le platine 5. Ah, si je gagne, je passe platine 5. Putain, incroyable. Incroyable. Et elle revient, c'est ça? Durant la end phase de votre adversaire. Ok. Après, il me faut plus de monstres parce qu'à chaque fois, il va réinvoquer pendant mon tour ses merdes, c'est ça, non? Ah, voilà une idée. Il me reste 16 cartes dans le deck. Hein. Seulement s'ils sont ban. Ah. Ok, donc au bout d'un moment, il va s'essouffler. Rah, j'adorerais faire peau de la sorcellerie, mais si je fais ça, je perds. On va bientôt avoir le générique des mystérieuses cités d'or. Putain, quel banger ça. Ah, oula. Bannissez les deux monstres. Alors, ça va être intéressant de voir comment ça va synergiser. Est-ce que je vais vraiment récupérer mon Apophis ? En tant que monstre. Instant ruling, pardon. Je suis pas sûr. Hein. Ça va marcher, vous pensez? Possible. Ouais, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. Ah, voilà Charlie. Déguisé comme un Halloween. Mais je suis pas déguisé, je suis le pharaon. Déguisé. Je suis pas ton papa, moi. Mais je suis pas ton papa, moi. Déguisé
comme Halloween. Mais non, je suis pas déguisé. Je suis Zul le pharaon. Bah reviens par ici là. Non. Quoi non? Oh, ça gère ma piège. Oh, l'arnaque. Ça va Charlie, tu dis bonjour au chat? Non. Mais tu veux jamais dire bonjour au chat. Reviens, ils vont te donner des subs. Tu vas pouvoir manger. Je suis le Zul d'Halloween. Dis-moi bonjour. Ah, j'aurais dû dire dis bonjour à tonton Quentin. Bon, il a trouvé la synergie pour me bloquer. Est-ce qu'on arrive au moment où on en a plus rien à foutre? Vas-y, vas-y, il m'a bloqué, de toute façon. Ah oui, mais il va me baiser avec ça, en fait. Je lui con, en fait. Ah, mais ça, ça contrait son truc. Ah, je suis trop con, putain. On voit plus le pharaon, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Oh, j'ai plus grand-chose quand même. Fallait battle avec Tiki. Je pouvais pas faire Tiki. Ah si. Merde, j'ai raté 1000 de dommages. Oh non! Ah, je peux pas être ciblé. En vrai, il y a moyen. Bonjour, petit pharaon. Ajouter un monde jade glace. Alors déjà, on va faire ça. Pas mal, le petit pharaon, quand même, hein. Il faut qu'elle soit bannie, elle. Le big big pharaon. Après, j'ai bien envie de gérer ça aussi. Vas-y, je gère ça déjà. Il a récupéré quoi? Aegirine. Un jet de glace. Jusqu'au jour. Ok, c'est pas grave, c'est juste qu'il a quand même banni son monstre. Ce qui est chiant. Ajouter un monstre. C'est ajouter un monstre? Non, ajouter une magie piège. Hop là. Ah mais Fanatic, toi tu voulais faire un don. Mais je prends pas les dons. Je suis DSL mon frérot. Elle n'est pas détruite. Je suis con, j'aurais dû faire chaîne démoniaque sur son effet en fait. Je suis con.
C'est quoi qu'il a récupéré? Ouais, donc il va pouvoir le raise. Vas-y, Joseph. Putain, j'active mal mes cartes, quoi. Ah, il doit contrôler un monstre haut. Ah oui, donc ça aurait pu être un... Ok. Alors, si vous contrôlez un monstre haut et que votre adversaire a un monstre sur son terrain ou dans son cimetière, prenez un monstre jet de glace depuis votre deck et soit envoyez-le au cimetière ou soit invoquez-le spécialement. Ok. Ça bug chez Zul, faut sub chez QC. Oh, c'est quoi cette dinguerie là? Vous voulez que Charlie mange des pâtes? Enfin, il peut manger des pâtes, il adore ça. Votre adversaire machin va invoquer. Il a target quoi? Puis c'est machin. Cette carte est dans votre main au cimetière. Fais rapide possible à manger. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Il va faire une Syntho 7. Ah non, c'est un syntoniseur. Si cette carte a été invoquée par synchronisation durant le tour de votre adversaire. Toutes les cartes sur le terrain. Ok, je réfléchis. Parce que il veut réinvoquer la même, c'est ça? Parce que elle, je peux la détruire. Et là, il va faire la même. Est-ce qu'il aura un effet? Il va faire la lien 10 à mes P. Ok. Et la lien 10 à mes P, je peux faire chaîne démoniaque dessus. Ça tombe bien, il va juste me rester un slot pour invoquer mon pharaonique là. Qui aura 1 milliard d'attaques, qui aura bientôt 8000 d'attaques. Hein. Ah, Baron. Merde, mon slime. Bon, il force ça, qui va forcer lui-même l'annulation. Ça change rien. Le problème, c'est qu'il peut détruire... Ah non, il y a un petit qui. De toute façon, dans tous les cas, au bout d'un moment, il y a mon truc pharaonique. Ah, elle se reset, yes. Stylé. Bon, je suis bien en train de le gérer quand même. Il a le seul. Oh mais c'est trop stylé un petit qui en fait. Il a le seum, hop là, tout revient. Et je vais pouvoir regérer toutes ces cartes. Magnifique. Bon attention, il y a ces gothis qui vont revenir quand même. Oh ça c'est bien aussi. Il revient quand mon mob par contre? Ah ça, stand-by. Ah merde. Ah merde. Bon, je vais déjà activer ça. Hein. Après, je vais pouvoir reset un truc de mon slime.
sais pas si je devrais m'inquiéter de la baronne, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de set et d'activer ce tour ? Qu'est-ce que j'ai envie de set et d'activer ce tour ? En vrai, le meilleur bail, c'est ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ce deck ? Pose pas de questions. Vince, tous les jours, il arrive sur mon live, il comprend pas. Il comprend pas, c'est normal. C'est un deck joué par des professionnels, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Le dieu Slim, eh oui, le fameux, dans tous mes decks, mon ami. Alors, avec une pièce, je peux placer une face recto contrôlée par un assassin au-dessus du deck. Ok. Ah, mais il me manque 100. Ah, je suis con. J'ai vraiment mis l'étal à 100, là. J'ai vraiment mis l'étal à 100. Bah, j'ai mis l'étal à 100. Bon, ça va. Ça va, ça va. Imhotep. C'est RP. Imhotep. Allez. La Vince, il tape son crâne sur la table. Yes. Examen validé. Yes. Ah bah, platine, ça charbonne, là. Test de connaissance. Oh là là, l'icône, question. Oh là 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 là. Allez, niveau 6. Le pauvre Gauthier, j'avoue, il a pas kiffé. 5 questions sur 8. Allez, ça commence à être intéressant, là. Question numéro 1. Dans le conseil des héros du mode solo. Mais nul à chier, putain! Comment les gens ont-ils entendu les voix du héros ? Bah voilà, ils ont entendu murmurer dans leurs oreilles, je suppose. Les mots arrivaient directement dans leurs pensées. Quel monstre n'est pas représenté dans l'illustration de la carte Appel du troupeau ? Oh les bâtards. N'est pas représenté ? Dans la carte Appel du troupeau. Moi, je pense que c'est le numéro 49. Oh, les bâtards. Là, mais gros, tu crois que j'ai le temps? Ah, ils ont rajouté du temps, trop bien. La carte sauge de fleurs indique. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez et une carte sur le terrain. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, détruisez-les. Si vous activez cet effet en ciblant un monstre sur chaque terrain et qu'au sein d'une chaîne, vous activez dispositif obligatoire pour renvoyer le monstre sur votre terrain ciblé par sauge de fleurs dans la main. Et sans laquelle de ces résolutions est correcte ? Depuis votre main. Et si vous le faites, détruisez-les. Non. Ouais, yes. C'est ce que je voulais. Ok. En quel monstre le partenaire Linge Dragoniren se transforme-t-il lorsqu'il arrive en battle? En chez où? En dragon ménage électro... Hein? Oh, les bâtards. Dans l'effet qui peigne la météo en mode solo, qui est présent comme étant un peu timide? Bah, c'est le nuage, bien sûr. Allez, putain, ta race! Oh non!
Quel est le type de cette carte? Bételé. Ah! C'est un magicien! Non mais il faut arrêter un peu! Quel est le nom de cette carte? Le crâne acharné. Bah ça c'est moi ça. Cauchemardesque. Oh putain ta race. Je suis sur 0 sur 8 là. Quelle est l'attaque correcte de la Lyrilusk? Lorsqu'elle est utilisée avec 5 matériels. 1000, c'est 200 par matos. Échec. 2 réponses sur 8. Aïe aïe aïe. Il va falloir bosser le chat. Réessayez. Question numéro 1. Vous pouvez activer la carte typhon d'espace mystique en ciblant la force machin. Liée à l'activation de votre adversaire. Parmi les propositions suivantes, quelle est la bonne résolution? Un monstre machin. La carte typhon d'espace mystique est détruite. Il ne se passe rien. Un monstre en position de défense sur votre terrain est détruit. J'ai rien compris. J'ai rien... Attends. Ok, d'accord. Il disait... Faut dire tous les monstres en... Wow. Quelle est l'attaque, machin? 1000. Yes, yes. Oh putain, franchement, je sais pas. Il change les places, les réponses. Alors... Il change de place la réponse. Tu voulais faire le malin, mais non. Dans la joyeuse bande de la patrouille machin, en mode solo, laquelle des propositions brille sur... c'est Bran. C'était facile, faut juste faire le mode solo, les gars. Quel est le monstre machin qui n'est pas représenté? C'est ton lapin sauveteur. Je le sais, évidemment. C'est évident. Faut juste avoir un peu de connaissances, quoi. Quel est le type? Machine, hein? Yes. Machin. Voilà. Le sens des mots arrivait directement dans leur pensée. Bah voilà, c'est facile. Alors, pour réussir, machin, invoquer spécialement un monstre. 10 fois. Eh bien, let's go. Non, pas let's go. Non, pas let's go, les gars. Ah, quoique. Attendez, je réfléchis. Non, pas let's go, les amis. On va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Mais Zul le pharaon reviendra pas demain. Demain, il y a des chances que ça passe et il y a des chances que ça passe pas. Parce que demain soir, normalement, je vais essayer de record des petits épisodes de Club Yu-Gi-Oh! Avec un nouvel invité que vous n'avez pas encore vu. Et ça, c'est chouette. Et du coup, live soit demain après-midi, même heure, soit vendredi après. Tranquille. Ah non, vendredi je fais une Challenger Cup bientôt sur YouTube, la rediff. Ouais, il faut que je la mette. Pourquoi pas faire en live et les records? Je sais pas, j'ai bien aimé les faire en live l'autre jour et ça me permet d'enlever certains duels. C'est quand un live? Après 18h, ça dépend des jours, mais demain normalement je fais une Challenger Cup, donc ce sera après 18h. Vendredi, pardon. Bref, moi je vous laisse. Je dois aller faire un petit five, mettre des petits ponts à tout le monde.
Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Allez checker les chaînes YouTube Super Zulu et Zulu Replay. Et puis merci à vous pour votre présence. Merci à ceux qui ont follow. Merci à ceux qui ont lâché un prime ou un sub. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Salut. Ah ouais, la transition, elle n'existe pas. Hein. Vous avez sursauté un peu, non ?